Auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, soyez les bienvenus à notre rendez-vous traditionnel de chaque vendredi pour méditer avec vous le chemin de croix pour les chrétiens persécutés. Pensons à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas vivre pleinement leur foi au Christ rédempteur dans notre pays, le Gabon, et dans le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et qu'il fasse que vous soyez toujours avec lui. Et avec votre esprit. De l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 11 à 13, nous proclamons. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Toi qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es la voie qui nous conduit au Père, au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre Sauveur. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des témoins un jour s'élevaient, des inconnus m'interrogent, on me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Parce que chrétiens, ils ont été accusés injustement. Depuis des siècles, les chrétiens sont encore harcelés, ici ou là, de différentes manières. Ils sont vus comme une menace, ils sont donc menacés. On les soupçonne, on les dénonce, on les montre du doigt ouvertement, ou bien on parle d'eux dans les coulisses de la mort. Personne n'en sait trop rien parfois. On ne sait pas bien qui les condamne. Et puis, les voilà destinés à disparaître de la carte des vivants. Comme Jésus, sous n'importe quel prétexte, à huis clos, sans défense, sans raison si ce n'est celle de se réclamer de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, notre forteresse et notre rempart au jour du malheur, tu as été un refuge pour Jésus de Nazareth, quand nul ne pouvait le convaincre de péché. Viens encore au secours de ton Église en proie à la haine du monde. Confirme-la dans l'esprit de force, qui lui fraye la route de son pèlerinage terrestre et la soutienne avec bonté jusqu'à la maison de ton Père. Toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Ô mon peuple, ô mon peuple, que
t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Deuxième station, Jésus chargé de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Christ, abandonne que les cheveux de ma tête. Ceux qui me veulent sans raison, ils en nombreux. Mes détracteurs amaillent injustement. Intimidés, marginalisés, inquiétés, ils n'ont plus droit comme les autres au logement, au travail, à la santé, à l'éducation de leurs enfants. Les tracasseries administratives à leur encontre se multiplient, leur précarité s'accroît, leur vie quotidienne devient un calvaire. Jésus, chargé de la croix de notre folie, de tout ce que nous faisons peser sur les épaules des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux qui acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton nom et la défense de leurs frères et sœurs, puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils. Donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l'Évangile avec assurance, qu'ils puissent un réconfort dans la prière de l'Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Si la messe déchaîne, si le vent souffle fort, si la bague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la bague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit Jésus tombe sur le poids de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs, donc il était chargé. Et nous pensons qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Beaucoup de chrétiens tombent. La vie les oblige à des croix impossibles, déraisonnables. Clandestins, ils n'ont pas de moyens suffisants pour s'en sortir. Alors, quand les forces morales déclinent, grandes sont les tentations du découragement, du chemin détourné pour survivre, de la fascination d'une religion sans danger. À quoi bon les pratiques ? Sérieusement contrôlées, elles ne sont que source d'ennui. Inutiles aussi, les efforts physiques. Trop de fatigue pour tenir debout face au coup bas. Jésus le Nazaréen est tombé, accablé par la rudesse du chemin. Trop de cris, trop d'embûches, trop d'énergie malmenée, trop lourd. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de nos faiblesses, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, priez vers lui sans perdre cœur. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'aimais Isaïe de son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je l'ai guidé avec humilité par le lien de tendresse. Comment t'abandonner, j'ai Ephraim? Mon cœur à moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Il n'y a pas que ceux qui oppriment. Il y a tous ceux et celles qui sont là, présents, visiblement ou invisiblement, pour apporter consolation et réconfort. Témoins de ces liens d'humanité qui demeurent envers et contre tout, prêtres, visitant et encourageant les communautés chrétiennes des catacombes d'aujourd'hui. Il y a tous ceux, toutes celles qui protègent, ceux qui, dans l'ombre, souvent parfois aussi au péril de leur vie, veillent sur les droits des minorités religieuses, ceux qui informent, ceux qui dénoncent, ceux dont la rencontre fut-elle d'un instant, fait ressurgir des forces neuves, ceux pour qui l'on compte encore. Comme Marie, il y a tous ceux qui ont appris de Dieu à regarder les hommes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur, tu as donné le salut aux gens humains par la très glorieuse Vierge Marie. Accorde-nous qu'en implorant sa protection, nous soyons soulagés dans tous nos besoins et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueilli aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et qui donc est mon prochain? Le prochain, celui qui se trouve sur ma route. Celui dont j'apprends aujourd'hui la souffrance qui n'en peut plus. Tous mes frères en humanité
qui ne sont pas libres de vivre leur foi dans leur pays. À cause de cela, ils doivent résister avec une fermeté héroïque à des attaques parfois sanglantes. Ils ont de l'endurance et du courage et continuent leur chemin malgré tout. Mais qui peut les soutenir? Car ce chemin est dur. Qui sera leur providence? Écrire une lettre au gouvernement ou aux ambassades demandant la suppression d'une loi qui risque de les accabler? Qui peut, comme notre fondateur Jean de Matha, recueillir des fonds pour trouver des moyens de promouvoir le respect dû à tout homme? Qui peut, comme beaucoup de nos frères, continuer à s'engager sur le front de la charité ou de l'éducation? Qui peut travailler inlassablement à ce qu'il reste fidèle? Le Christ aussi a eu besoin d'aide sur son chemin de croix. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, tu as enflammé Jean de Matha, notre Père, de l'amour divin pour promouvoir la gloire de la Trinité et alléger le fardeau du prochain. Accorde-nous qu'à l'imitation de son Esprit, de devenir dans le monde des témoins de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Fais que je marche au Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par ta main. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu qui se laisse approcher, regarder, toucher, Jésus laisse une femme essuyer la sueur, les larmes et le sang de son visage meurtri. Et ainsi, Dieu se révèle. En ce qu'il suscite au cœur, cet élan sans calcul vers l'autre, et en ce qu'il rappelle au plus intime la beauté première et inaliénable du visage humain, en ce qu'il renouvelle les forces de ceux qui jamais ne renoncent à chercher la dignité de la personne. Pensons à ceux qui, dans le malheur de la persécution, ne rencontrent aucun regard ami, à ceux qui n'ont personne autour d'eux pour croire à leur dignité. Prions pour que chacun de nous découvre la capacité qu'il a à avoir en l'autre sa ressemblance avec Dieu. Prions pour que ceux qui souffrent trop puissent encore se laisser rencontrer. Prions pour que soit restaurée la dignité des hommes, des femmes, des enfants et que soient reconstruites les vies brisées des peuples. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Père,
toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, ainsi Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes le mort du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage, du Seigneur. Je cherche son visage, tout au fond de mon cœur. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tout homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux, donc on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le Fils resplendissant de la gloire du Père embrasse la boue du monde. Pourquoi? Il n'a de mépris pour rien de ce qui est créé. Il connaît l'homme, pétri de la terre et que le souffle d'en haut vivifie. Trésor porté en vase d'argile. Vase d'argile, mon frère torturé, sans valeur pour ceux qui te persécutent. Tu nous offres ton trésor d'énergie quand, pressé de toutes parts, tu ressurgis de ton écrasement. Vase d'argile, mon frère défenseur des droits humains, pour chasser, tu ne perds pas courage. Tu puises dans ton trésor intérieur l'obstination de ta recherche de justice. Vase d'argile, mon frère tortionnaire, tu rigis de haine. Mais dans l'impasse où tu es passé, où tu es terrassé par la haine et le mal, sache qu'il y a toujours une issue pour ressurgir à la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit due au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Béni sois-tu, Père, tu as exaucé le cri de ton Fils au jour de sa chair. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui souffrent et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Tous les hommes alors te glorifieront dans les siècles. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. N'aie pas peine. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Regardez par le Christ.
Laisse-toi regarder, car il t'aime. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Secoue ta poussière. Lève-toi, Jérusalem captif, les chaînes sont tombées de ton cou, fille de Sion captif, car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien, vous serez rachetés sans argent. Mon peuple connaîtra mon nom, ils seront en ce jour laqués. C'est moi qui dis, me voici. Lève-toi, famille dignitaire, solidaire dans la prière et le sacrifice avec l'Église persécutée. L'appel est lancé. Nous sommes tous concernés, comme nous le rappelle le Père général de l'Ordre. Du fait de la persécution, des milliers de personnes sont déplacées. De nombreuses familles sont sans nouvelles. Devant la détresse de situations dramatiques, des hommes et des femmes qui connaissent le prix de la vie se lèvent. Beaucoup s'organisent en réseau. Des associations s'activent pour soulager la misère, cherchant les racines du mal. Me voici, dit Jésus, comme aux filles de Jérusalem. Il se donne à connaître à ceux qui pleurent sur le mal des autres. En consolant, le Christ libère. Il fait appel à notre humble décision de répondre aussi, me voici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par qui nous est venue la rédemption, et nous a été donné l'adoption, jette un regard de bienveillance sur tes fils bien-aimés et donne à tous ceux qui croient au Christ, le très saint Rédempteur, la vraie liberté et l'héritage éternel. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Ô croix, sagesse supprime. Ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse supprime. Ô croix de Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis miette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, préjugé, il a été supprimé. Qui donc se soucie de son destin? Il y a des plaintes que l'on n'entend plus. Elles sont de l'autre côté du mur épais de l'isolement, près de tomber dans l'abîme du désespoir. Souvent, le silence pèse sur les chrétiens persécutés. Leurs cris sont comme étouffés par la désinformation, par les dérives de l'opinion. Rien, rien ne fait surface. Le sol se dérobe à leurs pieds. Ils n'ont aucun appui.
Cette troisième chute de Jésus a-t-elle été vue, entendue par la foule massée sur le bord du chemin de sa passion? Spectateurs aveugles et sourds que nous sommes, et pourtant le mal nous guette tous. Le Christ attend seulement le pas, le geste du frère qui peut ôter la pierre sur son passage. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Tu n'as que faire, Seigneur, de nos prières et de nos sacrifices si nous sommes infidèles à l'Alliance. Apprends-nous à t'offrir avec Jésus, ton Fils, le seul sacrifice qui te plaise. Dénouer les chaînes injustes, briser tous les jougs, ne pas nous dérober devant celui qui est notre propre chair. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez toutes reçu en plénitude, car il donne toutes les puissances de l'univers. Ainsi, Dieu l'a dépouillé de la puissance de l'univers. Il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège de triomphant de la croix. La situation des chrétiens maltraités à cause de leur foi frise l'indécence. Violés dans leurs droits fondamentaux, privés des biens les plus essentiels, ils ont été évincés de l'article 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déracinés, ils n'habitent plus leur maison détruite. Leurs églises ont été incendiées. Ils n'ont pas demandé de privilèges. Ils veulent seulement pouvoir œuvrer dans un esprit évangélique. Cela aussi leur est enlevé. Ils deviennent minoritaires dans la précarité. Leur culture est peu à peu atteinte. À la merci de l'arbitraire, les chrétiens en fuite cherchent un endroit sûr et protégé. Le Christ, revêtu du seul amour du Père, ne donne aucune prise à la toute-puissance. Il consent à ce que, brutalement, plus rien ne l'habille, laissant à vue de tous la beauté bafouée de son corps. Que reste-t-il quand tout ce que l'on possédait est enlevé? Jésus est le Fils de Dieu. Dans son dépouillement, il nous conduit jusqu'au plus précieux de notre être d'homme. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint
Prions. Dieu qui seul est saint et qui nous commande pourtant d'être saint comme toi, tiens-nous dans le corps de ton Christ sur qui le mal n'a point de prise. Donne-nous son regard et son cœur. Réduis au silence toute parole mensongère et que ton Église, humble et pauvre, soit au milieu de ce monde le signe de ta justice. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Mystérieuse configuration au Christ, scandale et folie de la croix, aujourd'hui comme hier. Avec nos frères chrétiens cloués chez eux à cause des dangers qu'ils encourent, parqués dans des camps, exténués par les travaux forcés qu'on leur inflige, avec nos frères soumis au pouvoir des violents, torturés, exécutés secrètement. Comment entendre la parole du Christ? Il vient, le prince de ce monde, mais sur moi, il n'a aucun pouvoir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur unique salut des malheureux, dans le cri de ceux qu'on abandonne, entends Jésus qui t'interroge. Dans les corps qui n'inspirent que dégoût, vois le corps de ton Fils en croix. Dans l'effroi de ceux qui sont sur la faim, reconnais l'agonie de ton bien-aimé. Ne feras-tu pas pour les hommes qui te cherchent ce que tu as fait pour lui? Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, ainsi Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Vers toi, Seigneur, mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Jésus met sur la croix.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Lourd tribut payé à l'intolérance et au fanatisme, la mort nous livre son mystère. Dans les pays de forte opposition, l'Église, malgré tout, expérimente la foi et la paix dans l'attente d'une libération. Fécondité du témoignage de ceux qui, comme Jésus, meurent en pardonnant. Le Christ est mort pour nous tous. Fort, force de l'esprit, puissance d'amour qui fait vivre et délivre tout homme captif. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prière retrouvée sur un juif anonyme au camp des Treblinka. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté. Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté, mais ne te souviens pas de leur cruauté, de leur sévice, de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ceux qui nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Par Jésus, le Christ notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Quand Jésus mourut au calvaire, rejeté par toute la terre, debout. Sa mère souffrait auprès de lui. Troisième station, Jésus est descendu de la croix et rend à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que moi, je vais leur porter remède et guérison. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme avant. La parole se fait. Jésus a achevé son œuvre. Livré par le Père pour que les hommes aient la vie en abondance, livré par les hommes à la mort infâme, don, total abandon. Offrande, Marie reçoit le corps sans vie du Fils. Avec lui, elle porte l'écartèlement de l'humanité sans Dieu. Et Marie se souvient, « Moi je vais leur porter mes remèdes de guérison, dit le Seigneur. Je vais leur révéler une alliance de paix et de fidélité. » Oui. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Comment Marie, Notre-Dame du Bon Remède, ne veillerait-elle pas sur ceux qui, comme son fils, sont réduits à l'impuissance,
totalement livrée aux mains des autres, elle qui ouvre à tout son cœur miséricordieux. Comment ne prendrait-elle pas soin de leur lien profond avec le Christ pour que, là où ils attendent, ils n'attendent plus rien, leur soit donnée une énergie spirituelle nouvelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant de notre mort. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant Éternel, par ton Fils unique, notre Sauveur, tu as apporté au monde le remède du salut. Donne-nous, par sa Mère, la Vierge Marie, que nous vénérons sous le titre de Mère du Bon Remède, de toujours sentir sa présence et sa protection dans tous nos besoins physiques et spirituels. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés jusqu'à mourir. Il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. 14e station. Jésus est remis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Allons, revenons au Seigneur, celui qui nous guérira. Il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons à sa présence. Auprès des tombeaux du monde, que faire sinon nous tenir silencieux et priant? Dans l'Église persécutée, les chrétiens connaissent le tombeau de l'enfermement, l'anéantissement, sous la pression des autorités ou les mauvais traitements. Traqués, ils savent aussi l'angoisse mortelle de l'horizon bouché. Cachés, tapis, ils touchent le fond. Mort, certains, peut-être même pas enterrés. Inconnus, quelle issue? Le Seigneur vient visiter les entrailles de la terre, lui, le vivant. Avec l'homme chétif, blessé et sans voix, il scelle son alliance. Il vient de nuit, la lumière que nulle ténèbre ne retient. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Ô Dieu, dans le mystère de ta providence, tu as uni l'Église à la passion du Christ, ton Fils bien-aimé,
Accorde à ceux qui souffrent la persécution à cause de ton nom l'esprit de force et d'amour, afin qu'ils soient des témoins authentiques et fidèles de tes promesses. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Rassemble à tous nos frères au nombre de tes grands bras. C'est toi, Dieu, notre Père, au ciel nous accueillera. À toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, nous sommes arrivés au terme de notre méditation relative au chemin de croix pour nos frères chrétiens persécutés. Merci pour votre participation. Nous nous donnons rendez-vous avec la grâce de Dieu la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Que le Seigneur Trine nous bénisse et nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.